Alec Castonguay, Christian Dufour, Michel Séauger, bonsoir. 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 Petit tour de table rapide. C'est extrêmement serré, là. Je ne sais pas si, dans votre entourage, j'imagine les gens pensent que vous connaissez déjà le résultat parce que vous êtes des fins analystes. On doit vous demander. Alec, vraiment, tout peut encore arriver, là, pour vrai, là. Ah oui, le commentaire que j'obtiens le plus souvent de mon entourage, c'est bon, qu'est-ce qui se passe là? On n'attendait pas ça. La plupart des gens se demandaient au déclenchement de la course électorale. Ceux qui suivaient ça depuis le début se disaient bon, mais on a le choix, ça va être un gouvernement libéral minoritaire ou libéral majoritaire. C'était pas mal ça qui était dans l'air du temps. Depuis maintenant plusieurs jours, la possibilité d'avoir un gouvernement conservateur est bien réelle. Donc les gens se demandent ben, qu'est-ce qui se passe? Où ça bouge? Comment ça se fait qu'on en est là? Puis là, ben là, il y a plusieurs explications possibles, mais le résultat est le même. C'est qu'effectivement, c'est presque pile ou face, là, dépendamment des sondages qui sortent, dépendamment de la journée. Alors, on arrive là, deux semaines, pile, jour pour jour avant le vote, avec une incertitude très, très grande. Un peu comme c'était le cas en 2019, à peu près à ce moment-ci de la course en 2019, c'était extrêmement serré aussi. Donc, on va avoir une fin de campagne assez dynamique, je pense. Et on l'a vu en 2019, un seul point de pourcentage qui séparait au profit des conservateurs, les libéraux et les conservateurs. Christian Dufour, vous en êtes où dans l'analyse de cette campagne? Il reste juste deux semaines, c'est ça que je pensais à ça ce matin. Je ne réalisais pas qu'il restait aussi peu de temps. Mais il y a une chose que je dirais qu'on sait, c'est que ça va être un gouvernement minoritaire. Au fond, les Canadiens vont avoir à choisir entre un gouvernement libéral minoritaire ou un gouvernement conservateur minoritaire. Et moi, ça me fait penser beaucoup, beaucoup, comme bien des gens. Moi, je me demandais si la question de l'urne, la fameuse question de l'urne, ça ne sera pas avec qui on continue la pandémie? Est-ce qu'on continue avec Justin Trudeau et les libéraux ou est-ce qu'on enchaîne avec Éric O'Toole? Et si c'était la question de l'urne, ça sera en défaveur de Justin Trudeau parce qu'il incarne, on l'a déjà dit, il incarne la pandémie. Et je trouve qu'au-delà de ce qu'on entend de bien-pensants dans les médias, il y a une lassitude très profonde au sein de la population qui veut peut-être changer juste de personne. Mais est-ce qu'Éric O'Toole est assez premier ministre? C'est ça, ces derniers jours. C'est bien beau de dire qu'il n'est pas... on ne peut pas le diaboliser, qu'il est sympathique, mais là, on se demande, est-ce que vraiment il y a la stature d'un premier ministre ou pas? Mais c'est intéressant, Michel Séauger, ce que dit Christian, c'est que la pandémie qui devait aider le sort des libéraux, dans leur esprit, dans l'esprit de beaucoup de gens au début... Quelqu'un qui se dit, moi, je veux tourner la page, je veux plus en entendre parler, il peut être tenté de tourner la page sur M. Trudeau. On voit beaucoup de chiffres dans les sondages qui indiquent que les gens veulent un changement. Alors ça, c'est une des données du casse-tête. En même temps, M. O'Toole, actuellement, est meneur, pas de beaucoup, mais meneur dans les sondages. C'est à lui de la gagner, là. Et il donne l'impression, depuis le début de la campagne, qu'il joue pour pas perdre. Mais là, il faut qu'il aille la gagner, cette élection-là. Puis c'est pas des journées comme aujourd'hui qui vont l'aider. C'est vraiment tellement juste ce que vous venez de dire, Michel. Puis on va le voir sur les armes, on va écouter les extraits. Il jouait pour ne pas perdre, pour pas faire peur. Là, on a l'impression que quand ça se corse, il faut qu'il aille à l'attaque. Et on écoute, puis on revient. Je suis le chef. Et on va maintenir nos restrictions, ainsi que concernant les armes à feu, et avoir un processus pour une revue de notre système de classification, d'enlever la politique. Et c'est très important pour moi d'avoir une approche sérieuse, ciblée sur la sécurité publique, et de respecter le statu quo maintenant, et avoir un processus indépendant. Lui, il a fait des promesses au lobby des armes à feu pour se faire élire, de renverser ce qu'on a fait pour bannir les armes d'assaut. Et là, il s'est fait prendre jeudi passé et il doit renverser des décisions qu'il avait prises et qu'il a données dans sa plateforme. Il vient de changer sa plateforme, soi-disant. Mais c'est pas ça du leadership. Michel C., je commence avec vous, tour de table. Sur les armes, journée, je devrais dire, quelques jours difficiles pour M. O'Toole.
Oui, mais c'est un piège qu'il a lui-même fabriqué dans lequel il s'est enfermé. Quand ils ont fait le programme conservateur, ils n'ont pas pensé à l'ère du temps, là. Les armes à feu, actuellement, c'est un problème quotidien. On a vu ce qui s'est passé à Ottawa en fin de semaine, où vous êtes. À Montréal, c'est encore un problème. J'entendais ce matin qu'il y a même une augmentation des crimes par armes à feu à Québec, qui n'est quand même pas une des plus grandes villes, puis une ville où d'habitude, ce problème-là est important. Alors, dans l'ère du temps, là, il y a des gens qui disent « Hey, ça va faire. » Il y a des questions de sécurité. Et là, M. O'Toole arrive en disant « Ah, il faut respecter les droits des tireurs sportifs. » Et puis, on va avoir un comité qui va regarder la liste de 1500 armes prohibées, savoir lesquelles on peut retourner en circulation ou lesquelles on va bannir. C'est pas la réponse que les gens attendent. Ça ouvre la porte à M. Trudeau à parler de leadership. Et c'est ça qui risque d'être le problème de M. O'Toole au cours des prochains jours. C'est qu'il faut qu'il montre qu'il est un premier ministre en attente, là. Il faut qu'il veuille la gagner. Il faut qu'il ait l'air de vouloir la gagner. Il ne faut pas qu'il réécrive sa plateforme à tous les jours. Christian? Non. Mais je dirais qu'il faut qu'il soit plus adroit. Moi, c'est ça que je réalise. C'est que je pensais au début que c'était parce qu'en français, il était moins à l'aise, manifestement, qu'en anglais. Mais même en anglais, il n'est pas capable de manœuvrer, en fait, dans ces dossiers-là. Bon, je ne nie pas l'importance objective du dossier du contrôle des armes à feu, mais c'est plus compliqué que Justin Trudeau veut bien le croire. Puis il y a un aspect pédagogique qu'Erin O'Toole devrait peut-être adopter. La demande, c'est qu'il n'est pas capable. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est que quand il est confronté à des enjeux complexes, il n'est pas capable, en fait, d'y répondre de façon crédible. Je te dis, ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas un bon premier ministre, mais il reste que ça paraît mal pour quelqu'un qu'on regarde en se disant « C'est-tu le prochain premier ministre du Canada? Hein? » Moi, je me dis, ben là, il ne pourrait pas répondre de façon un peu plus habile, à droite. Et précise, oui. Alec, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est stratégique ou c'est une incapacité? Je pense qu'on est en train de dépasser le point où la proposition des conservateurs a une importance. C'est-à-dire que là, on a dédié la plateforme à peine 2 semaines et demie après l'avoir présentée. Les candidats et députés conservateurs sur le terrain répètent à leurs membres que non, la position n'a pas changé, c'est toujours la même. On va revenir en arrière sur les armes d'assaut. Et Erin O'Toole dit, bien, je vais garder l'interdiction, mais seulement jusqu'à la révision. Puis une fois la révision de la loi faite, je pourrais permettre certaines armes. Le problème de Erin O'Toole, c'est que là, rendu au 4e ou 5e jour, c'est un problème de sincérité. Les gens vont commencer à se demander s'il est prêt à dire n'importe quoi pour être élu. Est-ce qu'il est prêt à dire une chose en français parce qu'il sait qu'au Québec, le contrôle des armes, c'est important, parce qu'on a eu le Collège Dawson, on a eu le Polytechnique, on a eu la tuerie de la mosquée à Québec. Est-ce que c'est ses candidats sur le terrain qui disent vrai, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, les militants conservateurs, on va vraiment revenir en arrière? Et là, à un moment donné, là, ça, quand la crédibilité du chef commence à être touchée et qu'on aspire à devenir premier ministre, on entre dans une complication pas mal plus difficile en campagne électorale. Et ça, je voudrais, si vous permettez, au-delà de la sincérité, est-ce qu'il a la force? C'est ça qui me frappe. Est-ce qu'il y a la stature, il y a la force? C'est ça dont je suis moins sûr qu'il y a une semaine. Moi, c'est intéressant, parce que ces questions-là... Oui, allez-y, Michel. Ça me fait penser, Patrice, à la campagne de Joe Clark, qui a finalement été élu premier ministre, il ne faut pas l'oublier, mais minoritaire et qui n'est pas resté très longtemps. C'est exactement ce même genre de questions-là qu'on posait. Le slogan des libéraux, c'est « un leader doit être un leader ». Et on voit un peu la même chose chez M. O'Toole, de quelqu'un qui est fondamentalement indécis et qui n'est pas capable de vivre avec une position quand elle est critiquée. M. Clark a duré combien de temps, Michel? 9 mois. Moi, j'en connais que... Alors, préparez-vous. Parce que ça, c'est l'autre sujet dont... Ben, on verra, là. Faut pas prédire le résultat. On pourrait... Les Canadiens pourraient nous surprendre, puis ça pourrait être majoritaire. Mais ça va être l'autre sujet à aborder. Si on veut pas d'élection aux 18 mois, est-ce qu'il va y avoir une réflexion, Christian, sur l'acte collectif qui nous entraîne vers des élections perpétuelles? Bon, perpétuelles, écoutez, à tous les 18 mois, on peut vivre avec ça, là. Surtout que c'est pas très long, puis il y a quand même un intérêt. Mais moi, je dirais que
je ne parle pas position, là, mais si, mettons, on avait un gouvernement libéral minoritaire, ça pourrait faire l'affaire de bien des Canadiens qui auraient puni Justin Trudeau hein, dans sa suffisance. Lui, il a déclenché des élections sans raison d'autre que d'être majoritaire, donc on le reconduit minoritaire, mais on n'a pas été assez impressionné par O'Toole pour lui donner le pouvoir de façon minoritaire. Ça peut être ça un peu la logique. Mais dans 18 mois, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je suis prêt à signer n'importe quand. OK. Je retiens mes commentaires là-dessus. C'est la démocratie. Et c'est pas nous qui, c'est pas nous qui décidons. Je vous fais entendre la question des manifestants anti-vax, entre autres, de la sécurité. Je fais entendre les chefs sur cette question de la sécurité. Non, pas sécurité, pas qu'ils soient vraiment en danger, mais la sécurité des événements et du discours, que le discours soit libre. On écoute. C'est désolant de voir cette minorité frustrée, ces gens marginalisés, cette petite fraction de notre population qui ne croit pas dans la science, menacée de nous ramener en arrière. Mais c'est encore plus désolant de voir que Aaron O'Toole doit leur laisser de la place. J'aimerais voir une campagne sur les idées. L'harcèlement des candidats, n'importe quel parti, sont inacceptables. J'aimerais voir les débats sensibles, sans les manifestations, sans l'harcèlement. Chaque parti, chaque chef de parti, chaque candidat des partis s'exprime, les gens écoutent, font un choix, votent. Donc, n'importe quoi qui empêche un chef de s'exprimer, je le dénonce. Puis encore plus si c'est agressif, encore plus si c'est violent. Oui, on a reçu des menaces, on continue de recevoir des menaces et c'est un problème. Je n'ai pas des inquiétudes, mais j'ai des inquiétudes pour mon équipe. J'ai des inquiétudes pour les gens qui travaillent avec nous. J'ai des inquiétudes pour mes bénévoles. Vous pouvez manifester, vous devez, c'est votre droit, mais vous ne pouvez pas menacer les gens avec des propos haineux, violents, racistes, misogynistes. Parce que les manifestations qu'on a vues, il y a un mélange là, de colère, disons, et il y a des propos dans certains cas racistes, il y a des affiches, ça c'est un problème récurrent. De candidats racisés qui se font dessiner, toutes sortes de choses. Il y a un climat qu'on dénonce. Est-ce qu'on exagère le climat ou il y a vraiment un climat inquiétant, Alec? Ben, je pense qu'il y a un climat inquiétant. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit aux États-Unis où malheureusement les chefs des grands partis, démocrates et républicains, ne peuvent plus faire de bain de foule lors des campagnes présidentielles parce que c'est trop risqué. La sécurité est omniprésente, donc le contact spontané avec les gens est diminué. Même chose pour certains sénateurs, certains représentants de la Chambre des congrès. Donc, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que nos voisins américains ont en termes de climat électoral, dans ce qu'il y a de plus laid. Mais au-delà des chefs, c'est-à-dire que je pense que Justin Trudeau est capable de vivre avec des manifestations, même assez hostiles, sur son parcours. Ce que je trouve dommage, c'est que ça intimide ceux qui se rassemblent pour aller écouter un chef, que ce soit Justin Trudeau ou que ce soit quelqu'un d'autre. Là, c'est beaucoup Justin Trudeau, mais les gens attablés à une terrasse, les gens qui s'en vont dans voir des candidats, des députés, parfois avec leur famille, avec leurs enfants, veulent entendre ce que le chef a à dire pour se faire une opinion. Puis là, ben là, vous avez une horde de manifestants qui scandent des injures, qui font plus de bruit que ce qu'ils devraient avec des... Voit, puis là, c'est, à un moment donné, ça devient antidémocratique. C'est là que tu intimides les gens qui, eux, veulent aller à ces rassemblements-là. On franchit un pas qu'on n'avait pas franchi au Canada dans les dernières années. Je trouve ça de malheureux. Michel C. L'ancien greffier du conseil privé qui avait témoigné pendant l'affaire Wilson-Raybould, j'oublie son nom, là, mais avait dit, moi, j'ai peur du climat, j'ai peur que quelqu'un se fasse tuer pendant la prochaine campagne électorale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et y a donc beaucoup de gens qui ont réfléchi à ça et qui disent, de toute façon, l'atmosphère n'est pas belle et pas bonne au Canada pour le débat politique. Puis la pandémie peut bien sûr exacerber un certain nombre de choses là-dedans. Cela dit, il ne faut pas que M. Trudeau aille un peu trop loin dans l'extrait qu'on a joué. Là, il a dit « Ah, Aaron O'Toole est obligé de faire de la place à ces gens-là dans son parti. » Ça, c'est peut-être aller trop loin. On peut pas, on peut quand même pas imputer ces manifestations-là, même si on a vu quelques militants conservateurs dans la foule. Là, on peut pas imputer ces manifestations-là au Parti conservateur. Et le premier
ministre, ça vient avec le terrain et le paratonnerre quand il y a des problèmes. Et ben, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont très, très tannés de la pandémie, qui n'acceptent pas les mesures sanitaires, qui n'acceptent pas toujours la science. Alors, ça, c'est sûr que ça allait se manifester en campagne électorale, mais je ne croyais pas que ça allait être aussi, aussi violent puis aussi dur. Oui, on a fait un petit... Christian, je vous donne la parole, mais on a fait un petit vox pop. Je suis allé sur l'avenue Montréal l'autre fois sur le passeport vaccinal. Christian, on en parle souvent ensemble à l'émission. Vous êtes contre, c'est très bien. Il y en a qui sont pour. Mais les gens que j'ai rencontrés étaient plutôt pour. Et je me suis fait envoyer certains messages par des gens là, anti-vax. C'était pas jojo, là. Alors, il y a ce climat-là. Est-ce qu'on exagère, Christian, selon vous? Bien, il y a une américanisation, malheureusement, de notre culture politique à différents niveaux. Puis au niveau, en fait, de l'agressivité, ça va. Puis si on ajoute les réseaux sociaux, puis si on ajoute la crise sanitaire, ça commence à faire beaucoup. Bon, cela dit, pour ceux qui ont de la mémoire, Pierre-Éliott Trudeau avait reçu des bouteilles de bière lors de la manifestation là, en 1968. Là, la femme de M. Mulroney a déjà été agressée. Donc, c'est pas la première fois quand même que... Pauline Marois a été quand même victime d'un attentat. Mais l'extrait de M. Trudeau que vous avez joué tantôt m'a quand même troublé, je dois dire. Je trouve que c'est pas correct que le premier ministre soit agressif à ce point-là à l'égard des opposants, entre autres à l'égard des gens qui sont pas vaccinés. Autant il faut dire qu'il faut se faire vacciner. Puis moi, je le dis, puis je comprends pas les gens qui ne seront pas vaccinés. Bon. Mais je trouve que M. Trudeau, là, il diabolise trop les gens qui ne sont pas fait vacciner. Là. Il en fait comme des ennemis. Je trouve que ce n'est pas correct que le premier ministre fasse ça. D'autant plus que le climat est toxique à la base. Donc, il faudrait que les leaders politiques se retiennent. Et cet extrait-là, je trouve, est troublant, est inacceptable. Mais c'est ce que je trouve. Là. Le premier ministre n'est pas là pour commencer à dire qu'il y a 10 ou 15% de la population qui sont des diables parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Ce n'est pas correct. Vous dites qu'il souligne trop à grands traits le refus d'une portion de la population de ne pas se faire vacciner. Il en fait des ennemis. Il en fait des ennemis. C'est pas correct, ça. Dire, en même temps, les médecins disent... il faut les convaincre. Très bien. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Vous parliez de paratonnerre, Michel. C'est moi qui vais se transformer en paratonnerre, ça continue. Ben oui. L'orage s'en vient sur Ottawa, sur le ciel d'Ottawa. Je vous salue, messieurs. À très bientôt. Au revoir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.